Jeno TV, Shana Kitoko. Imagine yo na monde entier balelango makasi. Jeno TV nangai, bana kini va sepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Jeno TV, ekende liboso. Shana munene, Jeno TV, Shana munene. Imagine yo na monde entier balelango makasi. Jeno TV nangai, bana Congo va sepeli makasi. Bana kini, chaîne oza pour na bino. Pour nous, nous avons une image par-ci par-là. Nous avons un peu de fort. Nous avons un Congo, un Poto, un diaspora. Nous avons une chaîne Abino, Jeno TV. Nous avons un peu de Boki, Eza Jeno TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenez Jeno TV. Vous soutenez les sous-sous. Nous avons un peu de pour Franck Ojivadol, il est pour notre initiative. Jeno TV. Très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Jeno TV, na pesi binombo tebele, na pokwa lelo, na ndenge tokutani lisusu pona ko kolobela yango, awa toza na cadre ya émission na bino obosepelaka nango, otosala banalize ya ba fait politique, otobengaka tolobelango, na cadre ya émission tolobela makambo nyonso, tolobela makambo ebele, oza ko defre chronique, na mboka na biso, ba actualité politique. Tolobela kango na cadre ya émission na biso oyo voilà eza émission ya kananga tabala te kananga tabala eza émission mosusu to salaka wana eza ka uniquement pona makambo o Itali Kasai Central wana to bundaka mingi pona ko lakisa mauvais état ya province ya Kasai Central parce que to estimer que soto kangi minoko na biso mungala akoya wate po ko lobela biso te mukongo akoya te yango to to institua système wana ou émission wana ou initiative wana to zoa initiative wana ya ko kolobela Kasai Central na za ko remercier bande ko ebele o baza ko encourager biso baza ko encourager biso partout na Europe bande ko ebele o baza ko motiver biso ko soutenir ba efforts to za ko fournir pour na province ya Kasai Central. Oui, c'est normal. Toko kozala toza ata na bamboka mususu mais Kasai Central c'est notre province. Okoza lozana Afrique du Sud, ozana na France na bape mususu Kasai Central c'est notre province. Eza province na biso nyonso. Donc okoza lozana ba moyen belete pona kosa le loko. Mais souvent tant to sala ba émission wana motivation na bino et sala ka bien parce que ezo la kisake bande ko baza ko landa biso. Ezo sala biso malamu mwa ndambu poza nango mwa 10 francs mwa 20 francs obwaki opesi eza malamu parce que ko permettre équipe ezala na terrain comme ça to kende na bamikala to kende na katubu to kende na bilomba to kende na chimbulu to kende na kalamambuji to kende na kat na shit katende to kende na lulu to kende partout là pour na ko sala ba reportage de sorte que bomo na kandenge Kasai Central na bino ezali je crois. Toza na bande kebele o baza ko soutenir biso na maloba ko soutenir biso na bapel motivation eza malamu muso bazo promettre que toko chapoa toza besoin vraiment na soutien na bino toza na besoin na soutien parce que bitumbo tozo bunda eza biso moko te eza bitumba na bino nyonso eza bitumba na bino nyonso alors soutenez nous vraiment to kene nango liboso mais si ko toza na cadre ya émission na biso to le belango na cadre to lobelaka ba actualité nyonso politique o eza ko ningisa Congo o eza ko ningisa Congo lokwa mikolo yo sorti officiel ya union sacrée jusque là eza ko ko defre chronique eza ko lobisa batu na bababa bazo loba imagine muto abutama alobagate mais sorti ya union sacrée e lobisi baba voilà pourquoi biso peto ye po na koloba masolo ya union sacrée ya sorti officiel ya union sacrée. Parce que tu l'as dit que ils ont kende na tous les sens. Bato bazuya ngo na ba sens na bango. Ba Daniel Isafu bazai pai. Ba Piero Luara bazai pai. Donc bato balinga kite union sacrée et organiser sortie nango na réussite automonaki. Bato belé musu bazo tia tembeke bato batonda kite mais suka nango ba yo confirmer que bato batondi après ba changer langage oh non. Batambu saki ba billet vert
dollars et tambolaki, 30 dollars, 10 dollars, babilo kwandengwana. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Tous ces témoignages abandé que belo, balobi tokende qui metolia qui l'oroté, bapesa biso l'oroté, nga nazana batu belé, ponga nazana kini, teso nazana kini, nga nazana stade. Nana batu belé ou bakende ki kuna ba master, ba nani, tout ça, na basa bandeko, basa ba master, bakenda ki na stade. Na tuni bango balobi non, toujours te l'oroté. Et ça, nous avons joué le côté. Voilà. Et ça, parmi les gens qui ont joué le côté, parce que nous avons joué le côté, nous avons FCC, BIS, FCC, PSA, la sortie, il y a une différence. Il y a une différence, Steve Mbikai. La différence entre Union Sacrée et FCC. Selon Steve Mbikai, à l'obi, FCC, parti où ils ont parti de base, parti où ils ont convoqué, ils ont joué le parti où ils ont créé qui n'a pouvoir. PPRD, ils ont parti Oyo, bah créé qui ont déjà Kabila dans le pouvoir. Mais ce qu'on a Union Sacrée, parti où ils ont la base, parti pendant où ils ont sangisi, bah on yonso, parti au président de la République Abimeli, ils ont parti Oyo et où t'as la opposition après et côté na pouvoir. Donc bah Abimeli na opposition, bah yebi pas si y a opposition parce que na opposition bah vanda qui na peuple. Donc, il n'y a pas de passé à peuple, il n'y a pas de pouvoir. Donc, c'est toute une différence selon Steve Mbikai. La différence, monsieur, c'est que FCC cash et FCC, c'est l'autorité morale, c'est qui rebengo. Nazamba, aye a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir. Tandis que l'Union Sacrée, c'est l'autorité morale, moi, il y a opposant farouche, Étienne Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, et Moutouazan à pouvoir. A eu pouvoir, na passation pacifique. Nanzela wana ba élection, n'a eu pouvoir. Voilà, donc, c'est aussi toute une différence entre FCC et Union Sacrée. Chef de l'État, na ministre des Affaires étrangères, et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Baza ko préparer voyage moko ya Russie na Chine. Objectif ezanini. Baza ko kende ko signer accord ya coopération militaire na Russie na Chine pour ba soutenir RDC l'agression oyo toza ba victime. Décision wana au chef de l'État Zoui. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et bouger Occident, bas occidentaux, bas mimoni déjà na perte ya République démocratique du Congo. Batoyo baza animé na mauvaise foi. Je crois que pour na bango, bien que c'est une décision au chef de l'État Zakozoa, pour na commettre fin. Na agression aux Ezana Est, mais bateau baza animé na mauvaise foi. Lokola balingi guerre na esilate, ba lokoti yango déjà, babandi ba commentaire. Tango ba yoki mirimiru wana, babandi ba commentaire. Pona nini, balingi sikoyo, ba inciter ba occidentaux, ba américain, ba français, ba tunyoso wana ba inciter bango, po ba bandesiko kobundisa Tshisekedi. Na ba élection oyo ba soutenir siko candidat ya opposition ba la kisabango moni muto bo soutenaki yo ya pesi bino mu Congo ake na Russie ake na bloc ya Russie na Chine ça peut provoquer la guerre mondiale a na Congo alors bo bwa kisaye comme ça bo soutenir opposition toza pouvoir to kata engagement na bango na Russie mbala moko donc botika pe na tenter. Mais intérieurement, il y a une décision au Félix Azozoa. C'est une bonne décision, c'est une décision salvatrice pour la RDC. Parce que tu espérais, naba occidentaux, banda débit à mandat à Félix, l'Américain est un partenaire privilégié à Bissot. Mike Kamer est un partenaire privilégié à Bissot. Tu as un général américain qui a
basala démonstration balobi non toko renforcer capacité à ba militaire congolais comme ça toko soutenir bango na bituma na est basala salamo ba corps wa tout ça ba signer signer ba corps biloko ndenge wana batinda ba soldat na bangoti na Beni à l'époque avant M23 ba kende ko étudier milier après ba préparer renforcement capacité ba militaire na biso timo ya lelo et ça les maté tozo ba promesse na bango ebelé awa tozo agressé ba déclaration zo kende zo utabipai na bipai banda bazo sala ba déclaration wana baza ko supplier Kagame atika ko soutenir M23 mais pona RDC ba imposa biso embargo ba sentir ke ba komi coincé ba longoli yango bien que j'ai camouflé ou non esa mesure moko boye sur l'achat des armes tout ça mais c'était un embargo. Au regard de tout ce que je viens d'énumérer ici et tout ce que vous savez, Félix na Jean-Pierre Mbemba va se décider, va lobby trop c'est trop. Il faut que na na bloc wana ya Russie na Chine to signer na bango accord moko ya coopération militaire. Oui, tous ceux ma minuki, c'est bien. Mais Bappé s'abuse sur Minduki Moussous parce que nous avons découvert que le Rwanda est soutenu par ce bloc-là occidental. Les Américains sont là, les Anglais sont là, les Français sont là et les autres, tout ça. Ils sont derrière le Rwanda. Ils sont derrière le Rwanda. Nous le savons. Et nous avons lancé les cris d'alarme depuis le début de cette agression. Ces gens-là font sourd oreille. Ils font sourd oreille. Ils ne veulent même pas nous écouter. Nous avons enregistré pas mal d'émissions pour les interpeller. Ils font toujours sourd oreille. Et aujourd'hui, quand le chef de l'État d'un pays agressé et son ministre de Défense, Jean-Pierre Mbemba, prennent la décision de converger les regards vers la Russie et la Chine pour solliciter le soutien de ces derniers. Et nous voyons certains Congolais animés de mauvaise foi s'attaquer à cette tendance, s'attaquer au chef de l'État et à son gouvernement, et qui commencent maintenant à soutenir les Occidentaux, qui veulent maintenant intoxiquer, influencer les Occidentaux. Pour leur dire, voilà la personne que vous avez soutenue, voilà la décision qu'elle veut prendre. Elle veut maintenant s'allier aux pays qui vivent aux antipodes avec vous. Et pourtant, c'est vous que nous reconnaissons comme partenaire traditionnel de la RDC. Et aujourd'hui, la personne que vous avez soutenue, elle veut vous tourner le dos. Elle veut vous quitter. Et elle veut aller s'allier à la Russie qui est considérée aujourd'hui comme un agresseur d'un pays de l'OTAN. Voilà, c'est ça le discours que les opposants commencent à développer. Et pourtant, les Congolais ne corroborent pas ce discours. Les Congolais soutiennent cette tendance-là du président de la République. Ils soutiennent cette tendance. Ils appuient les chefs de l'État dans cette décision. Moi, je pense que le chef de l'État doit suivre la volonté du peuple et non la volonté de ses opposants-là. Parce que c'est le peuple qui va lui donner le mandat. Le peuple a applaudi la décision que le gouvernement congolais avait prise ici de ne pas négocier avec les terroristes du M23. Vous voyez que quand le peuple soutient la décision du chef de l'État ou de son gouvernement, ils seront en paix parce qu'ils savent que nous avons le soutien de notre peuple.
malgré tout ce que les opposants peuvent évoquer, malgré tout ce que les opposants peuvent dire, mais dès lors que le peuple est derrière le chef de l'État et son gouvernement, dans cette décision de ne pas négocier avec les rebelles du M23, les terroristes du M23, ils sont quand même rassurés. Ils savent que derrière nous, nous avons le soutien du peuple. Et donc, tout ce que vous pouvez dire, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. C'est comme dans ce cas ici, sous examen. Le chef de l'État prend la décision maintenant d'aller signer un accord de coopération militaire avec la Russie et la Chine. Qui ne sera pas d'accord dans ces pays? Au moins si l'ennemi du Congo. Vous allez suivre très bien ça. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont ceux-là qui ne font pas de déclaration pour condamner Rwanda, clairement comme ça. Ce sont ceux-là qui ne sont pas contre ce que Kagame fait en RDC. Ce sont ces gens qui sont contre cette décision ici, parce qu'ils savent que si Félix signait cet accord-là avec la Russie et la Chine, directement il y aura un renfort militaire ici. Il y aura même des militaires russes ici, des militaires chinois ici chez nous. Après, ça sera la Corée du Nord. Ça sera la Corée du Nord. Je crois que Bachar al-Assad viendra aussi. La Syrie. Après, l'Iran, l'Irak, ils seront là derrière nous. Voyez ? C'est-à-dire, nous allons directement appartenir à ces blocs-là. Parce que, moi qui vous parle ici, au départ, je ne voulais pas, je n'étais pas influencé par cette tendance d'aller vers la Russie. Parce que je voyais la dangerosité de cette décision. J'avais peur. Je voyais comment la 4e guerre mondiale, 3e guerre mondiale allait se déclencher en RDC. Mais aujourd'hui, nous avons évité tout cela. Nous avons évité cette hécatombe. Nous avons évité la 3e guerre mondiale. Nous avons évité tout. Mais nous avons lancé les cris d'alarme aux Occidentaux pour qu'ils nous viennent en aide parce que nous sommes agressés. Ces mêmes Occidentaux soutiennent encore les Rwandais. Dans ces cas sous examen, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si c'était vous à la place de Fatshi, quelle décision allez-vous prendre dans ces cas sous examen? Voilà pourquoi moi, sur ce plateau, je soutiens les chefs de l'État dans ces démarches. Naza d'accord na ba démarche au chef de l'État à Bandi. Parce que na lobaki ango na ba émission moko eleka kiawa. Boibi décision boibi na changea position na ngai na moment nini. Bato balandanga bien ba yebi quand est-ce que j'avais changé ma position? Et tango oyo ba lansa ki mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Parce qu'Azako agressé l'Ukraine. Et pourtant, chez nous, nous avons le Rwanda qui agresse la RDC, qui n'est pas aussi membre de cette cour pénale internationale, comme Vladimir. Nous, la RDC, nous sommes un pays membre, signataire de cette charte-là, de Rome, de la cour pénale internationale, depuis 2001. Ratification d'Abisso. Il y a un actionnat chartouana et prévenu à Liboso Bosco Tanganda, Aouta Awana Congo, Congo Ndatinda, prévenu à Liboso, Dosa Liboso, Okurwana et traita Ezaki à Bosco Tanganda, un sujet congolais à l'époque, bien qu'il s'était déclaré là-bas, sujet rwandais. Nous sommes ba occidentaux, Bosana Kiango. Va protéger Kagame, balancer mandat d'arrêt contre Vladimir. Des jours où yo ngai na changea position na ngai. Je me t'ai dit ce qui to landi ba occidentaux oyo na ba discours na bango ba déclaration le couteau bazo sala ono nous supplions bazo supplier na Kagame à longola soutien na sima M23. Ce to landi bango nous ferons rien. Des jours on a sala qui déclaration na plateau na nga. Pour dire, je soutiens
je soutiens le chef de l'État lorsqu'il va prendre la décision d'aller vers la Russie et la Chine. Je vais le soutenir. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pris cette décision. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je le soutiens. Je le soutiens. Toyokaki, que général Oyabanda a chapeauté force multilatérale, il y a EAC, a démissionné qui? Oui, Azana droit y a qu'au démissionner. Par raison, Oyo général Wana a évoqué la démission naie qui a menacé, a intimidé par une force obscure. Il y a des mercenaires militaires ici chez nous étrangers qui les menacent. Ba caméra de surveillance partout, ba zo contrôler mouvement. Nyonso Wana Oyo a évoqué qui comme raison la démission naie. C'est faux. Démission naïe est motivée na nini? Na attitude ya gouvernement congolais qui devient dubitatif par rapport à la mission confiée à cette force. Imaginez que vous tuez dans un pays oyo gouvernement et pays wana aza d'accord na yote. O monso Monisco aza na Congo ti sikoyo. Population attaquer Monisco. To monunyo so basali. Mais pourquoi Monisco a quitté? C'est parce que baza koyo kanana gouvernement malgré moi ma divergence ces amis mike mais quand même Monisco a lutté pour se conformer na volonté à gouvernement congolais. Mais ce koyo force au multilatéral dès le départ est comme qu'on posait problème. Il y a l'embrouglio na mission confiée na force oyo. Selon le gouvernement congolais, mission de Bango est offensive. C'est-à-dire, Bakoya, pour pas bundana biso, pas bundana biso, pour tout bundisa, tout bengana. Cette force négative, il y a M23, na territoire congolais. Et puis tout barré route, na batunyon so bazo ngaba balkanisé, mboka na biso. C'était ça la vision du gouvernement congolais. Mais pourtant ces gens, ils avaient un autre plan. Caché, subtil, que le gouvernement congolais ne savait pas. Basigné Bakor Nabango Baye. Koya Nabango Zaki Tatonumati, mais pour finir, Baye Koya. Ils ont récupéré quelques zones aux Zaki occupées autrefois dans M23. Pas plus tard que la semaine passée, le même général Kenya. Il a fait une déclaration au Bisonio Sotozuaki. Alobi, na ici s'agit pour la kotangisa makila nanga awa, pour la empêcher balkanisation yamboko, je le ferai. Ce général là, je le ferai mutu nanga ikoti kala na Congo, pour empêcher balkanisation au Congo. Alobi ango, 3 jours après, le mec va démissionner. Avancer par raison, il y a insécurité, il y a menace, tout ça, et tout ça. Mais en coulisses, ce n'est pas ça. Au fond, c'est autre chose, ce n'est pas ça. Comment on va dans le gouvernement a d'accord? Nayo, mais on va dans le wana. Gouvernement a d'accord, nayo, na mission. Félix a interpellé na Burundi, vous le savez. Félix a interpellé, après l'interpellation, Félix, na mis son président Kenya. Ruto. Après l'interpellation Félix, population à Nord Kivu, c'est soulevé qui contre cette force régionale. Pendant le départ na Bango, président Mbosoko Diapoanga, mon autorité morale, a télébakipé. Il avait demandé le départ de cette force-là, régionale. Nyonsoana, et puis Bango Kuna, Bango Salamakamoussous, Patrick Mouya Ekotoyo, déclaration sur ça, et ça m'a confirmé que mission à Bango est là qui offensive. Président ougandais, à l'obino, est là offensive. Président ya Kenya, ya Tanzanie, à l'obino, est là offensive. Mais gouvernement congolais, à l'obino, est là offensive. Si quoi, général Wana Amikuti, si quoi, na Katia, ba président, au bazar, qu'on se contredire. Ba gouvernement, au bazar, qu'on se contredire. Autour, il y a mission à Bango. Mais ce qu'on y a chapeauté, cette force-là.
qu'est-ce que lui va dire, qu'est-ce que lui va faire. Parce que les soldats ougandais bazali, prêt pour offensive. Les militaires ya Tanzanie bazali, président Nabango lobby, leur mission n'est pas offensive. FARDC pe azamupanzi, bache pemben. Gouvernement FARDC, ya pays ya RDC, yepe lobby, mission wana eza offensive. Baoba lobby eza offensivité. Gouvernement congolais lobby eza offensive. C'est que chef ya force wana, chef militaire ya force wana, c'est ce général là. Dans ces cas ici, Arosanin, est-ce que vous avez dit que soldat ougandais, boken de na champ de bataille, boken de bunda, na M contre M23, bah quoi bise non, président Abiso Lobaki, nous n'avons pas la mission offensive pour attaquer les M23, non. Cette mission-là revient au FARDC. Tant que les soldats tanzaniens, non. Notre présidente nous a dit que nous n'avons pas la mission offensive ici. Nous n'allons pas nous battre ici contre le M23. Azoko Koto Félix a dit Sabino, Zonga na mission na yo kendo bundana contre M23. Yebisa basoda na yo ba kendo bundana contre M23. Bon muto na siko yebisa nga place wana au kendo api. C'est ce qui est à la base. C'est tout ce qui est à la base, il y a des missions, il y a type 1. Mais chose grave, ne nous quittez pas, écoutez. Chose grave, c'est que le gouvernement kenyan, unilatéralement, va nommer Sikoyo général Moussousou. Oyazala qui a batindé na province Moko ya Kenya, akena zone Moko d'opération kuna. Bazui général Moussousou Kenya, bazongi se na place na ye, sans informer le gouvernement congolais. Aucune discussion autour de cette nomination ou ces remplacements. Un autre élément, mandat na bango elingaki si là, je crois basenya ki contrat na septembre si je me trompe pas. Non, ça doit être mois de septembre. Septembre, oui, septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, lelo avril. Combien de mois? 8 mois. Et pourtant mandat na bango ezalaki il y a 6 mois. C'est-à-dire, maintenant, nous avons ceci là qui déjà. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, maintenant, nous avons et ceci là qui. Il fallait qu'il va renouveler Yango. Avant qu'on renouvelle, le gouvernement congolais a sengi évaluation. Mais pourquoi cette force? Pourquoi EAC a lingi évaluation te a mis parcours? Parce qu'ils sont encore là. M23 nan baké totalement té mission na bango nan mission ya force nan hostilité. Baza nan. Mais nous devons faire ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Bosali déjà mandat liboso, il y a 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous pour que boko kisa totalement et complètement et parfaitement, mission Nabino. L'EAC ne veut pas ça. Balinge évaluation te. Mais balinge kaka va proroger manana bango. Et puis ils le font d'une manière unilatérale. Kenya a nommé général Moussousou Sopo à chapeauter force wana. À l'insu, il y a gouvernement congolais. Du coup, ça posait problème. Gouvernement peut côté na yepe, aza d'accordé. Na nomination wana. Comment beaucoup tinde la biso, général auto yebite auto sololité avant botinda ye, to yebite avant botinda ye. Il faut to yokana, to fana to solola. To yeba pe muto bozo tinda parce que avant na nous abanda musala, il faut président de la République ayambaye, ministre des Affaires étrangères ayambaye, chef d'état-major congolais foye baye. Service de renseignement n'a pas besoin de faire. À cause de la passe en Rwandais, mais à se camoufler na Kenya. Bozoli biso Rwandais, bocheye likolo. Parce que Bango wana et assez force wana comme ko senga présence à Rwandais. Balobi ba Rwandais baza avancé na technologie, na renseignement militaire, na nyoso wana. Ba komo senga sikoyo Rwanda
force na bangoya pour basili sabitumba. Vous comprenez là où nous sommes en train de partir avec ces gens. Et pourtant le gouvernement congolais a rejeté qui demande na bangoya na EAC. Il y a que force rwandaise en akati. Le gouvernement congolais boya qui a rejeté qui demande. Mais lelo force ya EAC ba komi ko senga balobi no Rwanda a avancé na technologie de Rwanda le ki Kenya. Rwanda le ki Kenya, le ki Tanzania, le ki Uganda, le ki vraiment ata baloba kindoki. Aza avancé na technologie, na renseignement militaire, alors il faut basoda Rwanda eza eko tapé na force wana tout ça potolonga pena bitumbo. Mais qui sont derrière les M23? Ba rapport nyoso est confirmé que Rwanda ndaza na sima M23. Muto azo ravitailler Rwanda eza M23. Et muto azo ravitailler M23 eza Rwanda. Comment beaucoup s'engagent biso les sous-sous quoi Rwanda on aya. Alors nous sommes là pour montrer il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons chasser cette force là de la RDC. Parce que M23 côté Bazali, société civile à côté Wana, baza ko dénoncer renforcement. Il y a Uganda. Il y a Rwanda, il y a des militaires, oh, baza ko tinda na M23, baza ko renforcer M23. Baza ko renforcer M23. Et si qu'on a minitoyo, qu'est-ce que nous allons encore faire avec cette force-là? Ils doivent partir. Toutes ces troupes-là doivent partir. Ils doivent nous laisser notre territoire. Force Nabiso nationale, FARDC, ils sont capables. Tout ça sous une mesure où on a des sanctions, on essaie longue, il y a achat des armes. Félix a qu'il est tout droit, j'appuie ça. Papa, wafa wafa, washala, washala. Surtout au koufa, tout koufa. Ce guerre, on est qu'on s'est déclenché parce que déjà tu vivras déjà guerre. Ce qui peut troisième guerre qu'on s'est déclenché, awa, problème, ils atteignent. Tout qu'il est qu'à vert. La Russie, comme ça, le pays, mon souzoupe, va wamboter les pas. Burkina Faso, il y a un akékounat. Mali, aké. Mali, aké. La Russie. Malgré les sanctions américaines, ça fait quoi? Tu vivras déjà dans les sanctions indirectes. Je prononce un mot, mais déjà indirectement, nous sommes sanctionnés. Les Africains, nous sommes déjà sanctionnés. Nous vivons dans ces sanctions-là, européennes et américaines. Nous sommes déjà sanctionnés. Indirectement. Parce qu'ils ne veulent pas que le pays n'abuse et se développe. C'est une sanction. Pourquoi nous aurons peur de ces sanctions-là, de ces brincadères-là? Que non, sanctions. Burkina Faso est parti, Mali est parti. RDC, nous devons aussi partir vers la Russie. Trop c'est trop. Les Américains ne feront rien chez nous ici. Les Européens ne feront rien en RDC. Dans tout ce qui se passe dans l'est de notre pays, ces Occidentaux-là ne feront rien, je vous dis. Malgré tout ce que nous pouvons faire, ils vont faire toujours sourde oreille. Ils ne vont rien faire. C'est nous qui mourons. Nous sommes détruits. Kagame commence à réclamer sans embâge un espace sur notre territoire. Kagame là n'est pas seul. Il est soutenu. Comme il est soutenu, nous devons aussi être soutenus par d'autres puissances. Je suis d'accord, je soutiens les chefs de l'État. Fati, s'il vous plaît, prenez cette décision-là. Je sais que ça sera une très forte décision. Prenez-la. Nous allons vous élire, nous allons soutenir. Fati, nous n'allons pas vous laisser, même pendant votre deuxième mandat. Vous êtes notre favori. Nous allons toujours vous soutenir, Fati. Prenez cette décision-là, mon Mboka, Jean-Pierre Mbemba. Prenez cette décision-là, n'ayez pas peur. Nous sommes là, nous allons. C'est ça même la volonté populaire. C'est ça, parce que peuple n'a mini toi a décidé. Peuple andimi a taliwa, tokufa mais toi ça peut force à ba pays moussous comme ça. Toi bon attend à ba américain na kuna na ba baris. Na Ukraine yo monata américain moga yo kufa kuna. Ba détruire Ukraine, américain ta moga kete. Français moga ke kuna te. Britannique moko akekunate, Belge moko akekunate. Ba Ukrainien de bazokufa bango moko. Soki pena to attaquer pena Rwanda oyo,
bakokendete et pas na biso toujours agressé. Qui est venu ici nous soutenir? Qui est venu se battre ici pour nous soutenir? Qui? Quel est cet Américain là qui est venu chez nous ici se battre? Il n'y en a pas. C'est comme les Rwandais. Quand les Rwandais sera menacé, déstabilisé, ils vont commencer à faire les déclarations de loin. Ils ne vont pas venir. Alors nous devons prendre cette décision là d'aller vers la Russie. Que la Russie et la Chine, la Corée du Nord nous soutiennent. Comme ça, nous allons déstabiliser le Rwanda. Et ces Américains-là ne viendront pas se battre ici contre la Russie. Ils vont commencer à faire les déclarations de loin. Merci beaucoup. Alors, mobilisons-nous. Mobilisons-nous, Congolais. Bola la pongité. Merci. Nous avons pas mal à bien. Nous avons tout à l'heure. Tout partager lié à l'émission. Merci beaucoup. TV, Chana Kitoko. Imagine I own a modern table in Lango Makasi. Genor TV Nangai, Banakini Vasabeli Makasi. Ba Jaspora, Bana Congo. Bosunga Genor TV, Ekendeli Bosso. Chana Munene, Genor TV, Chana Munene. Imagine I own a modern table in Lango Makasi. Genor TV Nangai, Bana Congo Vasabeli Makasi. Banakin, Chen Oizapuna Bino. Pour nous, nous avons une image par-ci par-là. Nous avons ce qui est fort. Nous avons Congo, nous avons Poto, nous avons Diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Genor TV. Minga avons des gens. Boki, Eza Genor TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenez Genor TV. Vous soutenez les sous-sous. Nous avons dit que Franck Ojivador est pour nous initiative. Genor TV.